Salut, moi c'est Ben. Donc là maintenant, ce qu'on va faire, on va vous cuisiner une méniche de phoque. Ouais, ouais, je vous parle bien de la méniche du phoque. On assaisonne bien des deux côtés. Donc encore une fois, on va saisir la viande dans une huile très chaude. Pendant que la viande saisit, on va couper la garniture aromatique. Donc ça prend des oignons. On a de l'ail. Voilà. On recherche une belle croûte comme ça. On va ajouter maintenant la garniture. Quelques oignons. Quelques carottes. Sirop d'érable. Ce qu'on veut, c'est un beau caramel au fond de la casserole. Ensuite, on va mouiller avec le fond de veau. Pour le fond de veau, vous pouvez trouver ça chez n'importe quel boucher. Donc, ce qui va permettre de cuire la viande à l'étouffée. Ça, on va pouvoir couvrir le tout. On enfourne à 280 pendant 8 heures. Remouillez de fond de veau toutes les heures afin que la viande reste tendre et juteuse. Et voilà! Il vous reste à déguster maintenant. On ajoute la méniche qui s'effiloche. Et on termine avec la sauce au canneberge. Canneberge qui a ramené un peu d'acidité. Donc un bon plat convivial pour cet automne à partager. Alors maintenant on va checker la cuisson de la viande. Vous pouvez le voir, ça s'enlève tout seul. Super bon, très fondant. Bon appétit !